petit copain. Allô, petit copain. Coucou Calice, hello Athéna, coucou à tous les petits copains. Donc nous revoici pour une petite vidéo. Alors là, c'est un concept inédit puisque c'est un bonbon, une surprise. Mais je te laisse la parole, Calice, parce que maintenant tu veux faire des vidéos. C'est toi qui mène la danse. Alors vas-y, on t'écoute. Alors. On commence avec les sucettes. Dans les sucettes, il y a les sucettes Star Wars. Qu'on avait fait il y a une précédente vidéo. Cliquez sur le petit i en haut à droite si vous voulez la voir. Il y a deux petits bonhommes de pâte patrouille, je crois. Ouais, non. Là, il y en a trois. Ah, il y en a trois en tout. Des pâte patrouille. Il y a. Ok, Athéna. Il y a une sucette mignon. Ok, Calice. Il y a une sucette My Little Pony. Oui, Athéna. Il y a trois sucettes mignons. Waouh. Et il y a trois sucettes reines de neige. Ouais, bravo les filles. Maintenant, et en surprise, il y a quoi? Oui. Une pochette surprise de troll. Ouais. Alors ça, toi tu connais pas Athéna, donc je vais le dire, c'est le petit crocodile. Il y a une application pour ça. Ouais, petit crocodile. Where is the water? Alors, une pochette surprise. Le méchant crocodile, c'est avec le méchant canard, le gentil. D'accord. Une pochette surprise, c'est l'amour. Ouais. Ici, l'amour. Une pochette surprise Super Wings. Ouais. Une pochette surprise Super Mario. Voilà. Qui est énorme. Ça, on n'a jamais ouvert, elle est énorme. Ouais. Une pochette surprise Star Wars. Série 4, on ne connaît pas. Ouais. Et une stress fine. Je ne connais pas. Ça, c'est, tu ne connais pas non plus, on n'a pas ouvert non plus. C'est une pochette surprise Street Fighter avec du jeu vidéo du même nom. Et il y a ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ça, personne ne sait ce que c'est, sauf moi. Voilà, c'est une petite surprise qui fera peut-être plus à Athéna, on verra. Alors, on va commencer par quoi? On va faire une friandise, une surprise, une friandise, une surprise. Ça fait des éléments is. Alors, c'est parti. Allez, Athéna, tu commences. Non, une friandise d'abord. Alors, tu peux goûter My Little Pony. Oui. Ciseaux, s'il te plaît. Alors, vous allez donner un petit coup de ciseau sur le dessus, c'est plus simple. Vous allez croquer chacune un morceau, ne mangez pas tout. Et après, vous allez pouvoir poser les sucettes dans ce bol. Attends, tu veux que je t'aide? Oui. Waouh. C'est plus joli quand elle est déballée. Elles sont magnifiques. Tu te souviens du nom de ces deux My Little Pony? Je crois... Elle, Pinkie Pie. Et l'autre, c'est Rainbow Dash. Rainbow Dash et Pinkie Pie. J'essaye de les sortir de leur petit sachet, mais ça fait mal. Pinkie Pie et Rainbow Dash? Oui. J'ai complètement détruit le papier. Au moins, wow, on est sorti d'affaire. Elle est trop, trop belle. Elles sont trop belles. Pinkie Pie. Pinkie Pie. Tiens, à toi l'honneur. C'est bon? T'es déjà malo? Oui. Est-ce que tu aimes bien? Oui, tu goûtes. Ok. Et Calice, tu veux goûter? Oui. Attends. Ah, et t'as Rainbow Dash aussi? Raisin et fraise. C'est le même goût? Regarde, tour de magie. Raisin et fraise. Tour de magie. Il a une tête. Il a plus de tête. Alors ça, c'est un beau tour de magie. Est-ce que c'est bon? Alors, d'accord. Et maintenant, Rainbow Dash, tu veux essayer? Ça a le même goût. Même goût. Merci. Moi, c'est raisin. Moi, c'est raisin pour moi. Je vous fais confiance, les filles. Je ne vais pas le goûter. Je le mets ici. Maintenant, Athéna, tu choisis une surprise parmi les 8. Ah, la petite pochette surprise Trolls. Alors, vas-y, c'est parti. Est-ce qu'il y a une encoche? Non. Non. Alors, un petit coup de ciseau. Hop. Tu avais déjà eu Poppy une fois. Poppy. C'est la deuxième pochette que nous ouvrons. Est-ce que tu auras de la chance. Moi, je veux un en tout cas, c'est pas Poppy. Personne avec les cheveux verts. Je peux voir. Tu as de la chance. Est-ce que je peux voir Athéna? Tu as eu des cheveux. Mais on le voit pas. Peu. Merci. J'ai de la chance. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. En fait, je crois qu'on ne l'a jamais vu dans le film. Oh, c'est des cheveux, c'est juste des cheveux. On lui mettra un chouchou. Fais voir.
Ah ouais, effectivement, effectivement, celui-là, il a vraiment pas de tête, il a que des pieds et des cheveux. Ce qui est pas très pratique pour se coiffer, parce qu'il a pas de bras. Ok. C'est pour ça qu'il est tout décoiffé. Maintenant, à Calice de choisir sa friandise et sa surprise. Alors, mignon. La sucette mignon. Alors, la sucette mignon, un petit coup de ciseau. Attention à ses cheveux. Oui. Oui. Tour de magie, il a une tête. Il n'a plus de tête. Alors, il n'a plus de tête, mais est-ce que c'est bon? Oui, mais je préfère celui d'avant. Ah, tu préfères l'autre. Et le tablier, c'est meilleur aussi. Ça a l'air plus dur. Pieds. Alors, attention, Athéna, déguste. Du fruit, hein. On dirait de la pâte de fruits. C'est bon? Bah, c'est ce qu'il en reste. Merci Calice, j'ai envie de goûter à celui-là. Allez, maintenant tu choisis ta surprise. Et tu choisis l'énorme pochette surprise Super Mario. Elle est énorme. A priori, c'est un gros porte-clé. Et lequel ce sera? Ouais. Super Mario? Moi, ah oui, regardons derrière. Regardez le choix qu'il y a derrière. Il y a Luigi, il y a Super Mario, il y a Yoshi, il y a Wario, il y a Donkey Kong, il y a Princess Peach. Moi, je vais dire que tu vas avoir Yoshi ou Princess Peach. Moi, le gros singe. N'importe. Même pas, alors vite. Moi, le gros singe. Pas du tout. Alors. Donkey Kong. Oh, tu l'aimes bien celui-là. Moi, je voulais. Je toi, si tu voulais. Oh, waouh. Hey, il est lourd, hein. Oh. Ça en porte-clé, c'est un peu lourd, je trouve. Mettez ça à votre pantalon ou à votre sac, c'est un peu lourd. Allez, maintenant, c'est Athéna de choisir sa friandise et sa surprise. Elle choisit pas en sachet, Athéna. Oh, tu choisis ça? Petit bonhomme de pâte patrouille. Je te le goûte. Petit bonhomme de pâte patrouille. Sans lui couper les cheveux. En tout cas, j'essaye. Je ne peux pas lui couper les cheveux. Mais je n'y arrive pas vraiment. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, c'est une fille. Mais non, c'est pas une fille, c'est un garçon. Ouais. Allez. Mais ce garçon. Ah. Mais il faut enlever le plastique. C'est moins bon le plastique. Non, ça va, elle a pas croqué le plastique. Tu peux? T'es la fraise, hein. C'est bon? Mais la fraise est meilleure que ça, la fraise. Ah. Je t'avais dit. Haha. Non, c'est pas la fraise, c'est la banane. Moi, c'est la fraise. Banane. Fraise. On dit pas banane à sa sœur, d'abord. Non, mais je parle pas de ma sœur, je parle du bonbon. Non, c'est fraise. Tu veux goûter? Ah, moi, je dis qu'il est la banane. Comme ça, je vais les partager, fraise ou banane. Ah non, c'est brocoli, les filles. C'est parfum brocoli. N'importe quoi. Ou souffleur. Souffleur peut-être. Je peux goûter le blanc. C'est à la banane. Ouais, c'est à la banane. Non, je suis pas sûr que ce soit la banane. En fait, c'est plutôt. C'est très sucré, mais je sais pas trop à quoi c'est le goût. Maintenant, Athéna, c'est à toi de choisir ta surprise. Il est où le récipient? Crocodile. Ah. Ah, les crocodiles, les crocodiles. Attends. Non. Oui, coup de ciseaux. Non. Ah ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, je veux un canard. Ça va être un canard, certainement, de toute façon. Moi, je veux à moins que ce soit le crocodile, mais normalement, c'est des canards. Moi, je veux. Alors, moi, je veux le canard classique. Moi, je veux le canard rouge. Canard rouge? Ouais. Non. Celle avec le ça. Non. Le canard violet. C'est-à-dire la banane violette. Non, ça. Regardons les flyers. Il y a quand même a priori un crocodile à gagner. J'ai contente. T'es contente? C'est super canard. Ouais, super canard à la récolte. Il a une cape. Tu peux? Voilà, il y en a 6 à collectionner, dont un crocodile simplement. Et 5 canards. Coin, coin. Oh. On avait ouvert ça déjà une fois, je crois. On en avait trouvé une pochette à Londres, je m'en souviens très bien. Je ne sais plus quel canard on avait eu. En fait, je crois qu'on l'a jamais ouvert. Ah si, on avait ouvert ça, je m'en souviens. Attends, et
Vous savez, j'ai vu sur le flyer, tu permets ? Sur le flyer, qui pouvait cracher de l'eau. Oui, exactement. On peut le mettre dans l'eau. Ça fait un petit canard, fais voir. Ça fait un petit parfum. Un petit parfum. Qui pue. Oh. Voilà. Super canard à la rescousse. Oui. Quouin, quouin. Quouin, quouin. Et maintenant, c'est au tour de Calice de choisir sa friandise et sa surprise. Et tu choisis une sucette mignon. Donc, c'est les trois mêmes dans les trois petits sachets. Et là, c'est le petit sachet de je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Kevin, pouce je crois. Le pouce bleu. Qui n'est pas bleu. Il n'est pas bleu. Mais c'est pouce en l'air. Comme ce que vous pouvez laisser sur la pouce vidéo. Allez, je te laisse parler, Calice. Alors, nous avons un petit autocollant. Et nous allons goûter cette petite sucette dans quelques secondes. Quand papa aura fini de présenter, c'est-à-dire maintenant. Alors, allons-y. Il y a de la poudre aussi à l'intérieur. Oui, mais il faut d'abord le manger, comme ça la poudre elle se colle au bonbon. C'est meilleur. Ah, ça a l'air bon. Ça fait des pop. Pip-pop, pip-pop, pip. Alors, tiens, tu trempes dans la poudre pour Athéna ? La dernière fois, tu avais adoré aussi cette sucette-là, je me souviens, Calice. T'en as plein. T'en veux ? Ça pique pas, hein ? C'est juste ça, pétille. Et pour Calice et pour Tina, un gros chocolat. C'est bon, le chocolat. C'est tout mouillé. Ça te fait rire ? Ouais.